m'appelle Aimé, je suis engagée à l'association Vivre Ensemble à Maroc-Tanger depuis le mois d'octobre, et plus particulièrement dans les activités d'alphabétisation et de sortie avec les enfants. L'association Vivre Ensemble à Maroc-Tanger est une association de quartier qui réunit des bénévoles uniquement, des gens qui vivent dans le secteur de la rue du Maroc et la rue de Tanger. Et ces gens ont créé cette association pour apprendre justement à mieux vivre ensemble. L'association ASMAE soutient l'association Vivre Ensemble à Maroc-Tanger par son programme Diversité. Vous vous rappelez quand on a fait les verbes? C'est je, tu, il ou elle. Voilà. Nous. Vous. Il ou elle. Il ou elle. Alors, le partenariat avec Diversité nous permet surtout de faire cette formation, notamment de formateur d'alphabétisation que je suis actuellement. C'est en entrant dans l'association Vivre Ensemble à Maroc-Tanger que j'ai connu l'association ASMAE. Sœur Emmanuelle disait qu'une éducation réussie, c'est la base d'une vie réussie. Moi, je pense que pour les adultes aussi, c'est évident. Quand vous êtes dans un pays que vous ne connaissez pas la langue, que donc vous ne savez pas lire, bien sûr, que vous ne pouvez pas vous exprimer, que vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit. Quelqu'un disait un jour, c'est comme être dans une pièce sans fenêtre. Personne ne peut vivre sans pouvoir s'exprimer. Donc c'est le but aussi de l'alphabétisation, permettre aux gens de s'exprimer et de vivre dans le milieu où ils sont. Mon engagement, il m'a surtout permis en fait de connaître les gens de mon quartier. Il m'a fait découvrir que j'avais à apprendre beaucoup de choses sur les gens qui vivaient autour de moi. Et je crois que c'est indispensable. C'est indispensable maintenant de connaître profondément les gens, de savoir d'où ils viennent, de savoir pourquoi ils font telle chose. Parce que si on veut vivre ensemble, on est condamné, je dirais, entre guillemets, à mieux les connaître. Et c'est ça le sens profond de mon engagement. Moi, ça m'a apporté, cette expérience m'apporte tellement de choses, bien qu'elles soient encore toutes nouvelles. Alors déjà, ça m'apporte une ouverture extraordinaire. Et puis, ça m'apporte tout simplement de vivre, quoi. C'est la vie, ça. C'est magnifique.